Salut à tous les copains et bienvenue sur la chaîne Assassin's Creed Experience, c'est un immense plaisir de vous parler. Aujourd'hui c'est Val et je ne suis pas tout seul pour faire ce petit débriefing, je suis avec Aurélien. Salut Aurélien, comment tu vas? Coucou, hello la confrérie, bah écoute, ça va très bien après ce qui vient de se passer, donc on va discuter un petit peu de tout ça, mais on n'est pas tout seul. Il y a Yannick avec nous de la chaîne Share Players, salut Yannick. Salut les gars, merci beaucoup de l'invitation, ça commence à devenir une habitude hein, tous les ans, je vous retrouve pour parler d'Assassin's Creed et ça me fait très plaisir étant donné que j'ai de forts liens d'amitié avec Valentin, donc c'est cool. Du coup on va dans cette vidéo faire un petit débriefing à chaud, donner notre avis un petit peu sur Assassin's Creed Valhalla. Bah, là aussi c'est une tradition très Assassin's Creed puisque je me demande quel épisode n'a pas été spoilé, je crois depuis Black Flag. Valhalla, on savait pas si ça s'appelait Ragnarok, Kingdom, c'est le nom Valhalla avait été évoqué, donc on savait que ça se passait chez les Vikings et donc pas vraiment de surprise. Ouais, après, bon, ce qui est quand même différent par rapport aux autres années, c'est qu'à chaque fois, Ubisoft se faisait toujours niquer sur une photo, une vidéo ou quelque chose qui officialisait vraiment le truc. Et là, jusqu'au bout, même si on s'en doutait vraiment que c'était un secret de Polichinelle, on n'avait rien qui prouvait réellement tout ce qui était balancé sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines. Moi, j'ai deux avis là-dessus. Moi, je trouve ça excitant parce que, en tant que fan, forcément, on se dit ah putain, des infos, c'est cool. Du coup, on se met des rêves plein la tête. Ouais. Mais de l'autre côté, c'est vrai qu'on n'a pas l'effet de surprise. Il y a zéro effet de surprise, quoi. Que certains éditeurs savent très bien garder. Je pense que c'est pas de la faute d'Ubisoft, c'est juste qu'il y a des gens qui font chier et qui niquent tout. Donc, Assassin's Creed Valhalla annoncé à travers un live de 8 heures. Qu'est-ce que vous en avez pensé de tout ça? J'ai pas des mots pour décrire ça. C'est-à-dire que à 14 heures, ça commence. Et en fait, on voit un artiste, on le voit travailler en live sur Photoshop sur une illustration. Et je me dis, ah, c'est cool. Et puis, j'attendais le moment en fait où ça passe en timelapse, tu vois, comme n'importe qui de censé aurait fait. Et en fait, il a passé 8 heures dessus. Il dessinait des trucs, il les effaçait. 8 heures. 8 heures. Et je ne comprends pas qui ait eu cette idée absolument diabolique de faire ça. Alors certes, on a parlé du jeu et je pense que c'est ce qu'il voulait. 8 heures là-dessus, j'ai pas les mots en fait pour décrire une telle aberration. Moi, écoute, franchement, oui d'accord, c'était long, mais je trouve ça vraiment très original. Ah, original, c'est original, ouais. J'ai trouvé ça très intéressant par contre de voir le travail d'un artiste en temps réel et de se dire que putain, un artwork, bah, tu comprends pourquoi il n'y en a pas non plus des masses pour chaque jeu. Il aura fallu attendre 8 heures pour avoir le nom. Je pense sincèrement que ce genre de reveal, on entendra encore parler dans 5 ans. Parce que dans 5 ans, on pourra repasser les derniers reveals des AC et je suis sûr que ce sera un des premiers qui nous reviendra en tête. Rien que pour le fait qu'alors que t'es aimé ou pas, que le reveal t'ait fait réagir. Ouais, pour moi, le meilleur reveal qui est proportionnellement aussi génial que le jeu est pourri, c'était pour Unity. moi, je suis assez... c'est vrai que j'ai un peu de vous deux. Je trouve ça très original d'avoir fait ça. Au début, dans notre conversation, Aurélien, je pense que tu t'en souviens, j'ai dit « What the fuck, qu'est-ce que c'est que ce ouais, truc ?» Ouais, toi, t'as pété un plomb au début, t'étais pas du je tout me suis, je me suis dit « Non mais attendez, maintenant c'est comme ça qu'on révèle un jeu. » Et avec du recul, j'ai trouvé ça assez stylé et assez original, parce que pendant 8 heures, ils te font poireauter. T'as une petite hype, t'as du teasing en fait. Je crois que c'est ça qu'ils ont vraiment bien réussi dans ce truc-là, c'est le teasing. Et à la fin, 22h, rendez-vous demain, pour le trailer en CGI. Je vais être tout à fait honnête, j'ai pas du tout d'affect avec l'univers viking, et je précise pour les auditeurs qui ne me connaîtraient pas que donc je suis un gros fan d'Assassin's Creed. Je les ai tous faits sauf celui sur PSP parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Et j'ai adoré Assassin's Creed Odyssey qui pour moi, je vais le balancer comme ça, pour moi j'ai préféré Assassin's Creed Odyssey à Red Dead Redemption 2. Au moins ça évite certains de dire ouais c'est un hater de AC. Non pas du tout, moi j'adore la licence, j'ai plein de produits dérivés et je fais tous les AC Day One et je ferai quand même celui-là Day One malgré mes énormes réticences et j'en parlerai après sur le trailer. Déjà que les leaks, bon, forcément, ça te coupe un effet de surprise, mais ça, on a l'habitude avec AC. Je reviendrai plus tard sur pourquoi ça devient de plus en plus une autre licence que celle que j'ai aimée, et voilà. Ben justement, parlons du trailer CGI. Pour moi, c'est un trailer absolument merdique, dégueulasse, je trouvais ça abominable. Franchement, si tu mets pas le logo Assassin's Creed, ça peut être n'importe quel jeu, on dirait presque le trailer pour un jeu mobile, tu sais, comme maintenant t'as des pubs partout. Où est passé Assassin's Creed? Là, je me retrouve dans un espèce de truc ultra barbare, ultra violent, ultra gore, ultra guerrier. Après, oui, c'est impressionnant, mais c'est pour être le trailer de n'importe quel jeu AAA.
il y a pas l'identité d'Assassin's Creed. Et en plus, alors là, c'est maintenant on a plus l'aigle, on a un corbeau, quoi. Ça c'est une trahison, mais que je peux pas accepter. J'ai pas du tout trouvé l'esprit, ouais. Assassin's Creed. Ouais. Mais franchement, je te le dis honnêtement, je te rejoins complètement. Moi, j'ai regardé le trailer. Alors, il est très beau, il est très stylé. Voilà, là-dessus, il y a pas de souci. Moi, j'ai ressenti la même chose et ça m'a fait beaucoup penser à Odyssée, épisode qui a beaucoup divisé parce qu'on ne contrôle pas un assassin, mais un mercenaire bourrin. Je sais qu'on peut très bien qu'on peut jouer discret dans Odyssée, mais le jeu est quand même très orienté. Action RPG. Moi, ce qui m'a fait vraiment peur dans ce trailer, c'est la même chose que vous, c'est que je retrouve pas ce côté assassin, hormis le fait qu'il y ait la lame secrète. Bon, on va pas râler parce qu'il y a la lame secrète. Oui. Non, bien sûr, c'est déjà ça de pris, quoi. J'ai l'impression de voir un guerrier viking plutôt qu'un assassin, en fait. Après, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure live, attention, on n'est pas non plus à l'abri d'une évolution du personnage au cours de l'histoire. Après, à voir, on verra dans le jeu, mais c'est vrai que moi, ce qui me fait peur, c'est que j'ai plus l'impression de... Après, on n'a pas encore de gameplay, donc finalement, pour l'instant, on se base que sur un trailer CGI, mais c'est très bourrin, et en général, ce qui est pris dans les trailers, tu le retrouves au final dans l'ambiance et dans le... la direction du jeu, quoi. Moi, enfin, si vous me permettez, je pense que Ubisoft a une licence qui a un nom fort, mais qui commercialement a connu un déclin parce que ils se sont embourbés dans une formule qui a connu son pire bas avec Unity. Mais je pense qu'au bout d'un moment ils ont perdu la main sur comment faire le jeu. Et c'est pour ça qu'ils sont passés sur une autre formule. Mais cette formule, elle est de plus en plus et c'est le gros problème, je pense, de la licence Assassin's Creed aujourd'hui, c'est qu'elle est très éloignée des préceptes de la confrérie, en fait. Et là, bon, comment ils vont intégrer ça aux Vikings, ça va être, à mon avis, c'est plus... je vois bien le truc, hein, l'anglais Alfred le Grand. D'après les informations de Julien Chies, c'est pas forcément un méchant, c'est un personnage plein de contrastes et sous... Ah, moi, il a quand même la gueule du méchant. Il y a quand même des croix bien en évidence, donc ça fait vraiment templier. Donc ils auront peut-être l'excuse de dire « Ah, eux, c'est les méchants, nous, c'est les gentils. » Peut-être ça sera la première vraie confrontation entre assassins et templiers. Enfin, même si, à mon avis, l'appellation assassin ça arrive avec la branche du Moyen-Orient de Al-Mualim, parce que ça, il y aurait donc une cohérence avec ce qu'on a connu dans l'histoire réelle, mais ça serait peut-être, ouais, la première, ouais, confrontation entre ceux qu'on ne voit pas tout et fait. Les Templiers. Et du coup, à part Yannick, qui toi n'aime pas trop l'asset viking, t'en penses quoi, toi, Aurélien, de cette époque-là? Moi, franchement, après, voilà, j'ai commencé la série Viking il y a quelques temps, voilà, pour me faire un avant-goût, parce que voilà, je pressentais le truc arriver, je me suis dit, bon, faut quand même que je vois la tronche que ça a, parce que voilà, justement me faire une idée sur ce qui peut nous attendre. Moi, j'adore la série, elle est extrêmement bien écrite, franchement, et j'adore l'univers, j'adore les paysages, j'adore les personnages, j'adore tout. Et je me dis que si on part sur le même genre de truc, bah pourquoi pas. Pourquoi pas, moi je suis très hypé, après effectivement, à voir comment on va inclure le côté assassin dedans. Le cadre est là. Maintenant, à voir comment tout va se ficeler. Encore une fois, par contre, j'ai confiance, parce que bon, c'est quand même Ashraf Ismail qui est aux commandes. Donc qui a réalisé notamment Black Flag et Origins, et il y a 14 studios Ubi qui ont bossé sur le jeu. Je pense que c'est un des plus gros, un de leurs plus gros jeux vraiment actuellement. Bah, je pense que c'est leur plus gros jeu, sans vouloir... Oui, c'est sûr. Ouais, les informations que j'ai eues, alors, parce que j'ai quelques petits contacts dans l'industrie, notamment pour pimper le moteur Anvil, devrait, sans surprise, être en superior version, enfin tirer pleinement profit de la Xbox Series X. Alors, pleinement profit, les Assassin's Creed qui arriveront après, je pense, seront beaucoup plus beaux, parce que ils auront peut-être un moteur qui aura été créé spécialement pour ces machines-là. Surtout que Valhalla risque d'être cross-gen, comme l'était Black Flag. Mais on aura quand même, a priori, de très très belles choses, notamment en termes d'éclairage avec le ray tracing sur Series X. Ouais, c'est vrai que ça me hype, hein, que je suis comme toi, Ray. Je suis un fan de la série Vikings. J'adore l'univers, la mythologie, l'ambiance, les décors, les personnages, l'histoire, en fait, tout simplement, de cette période-là. Je trouve ça hyper, hyper passionnant. Vous me donnez envie de m'y mettre à la série. Elle est sur Netflix. Ah, mais franchement, ouais, elle est sur Netflix. Essaye, vraiment. Pourquoi pas? Vu que t'es pas très branché par l'univers viking, essaye justement d'aller jeter un œil, parce que vraiment, moi, tu vois, même moi qui, je trouvais que Valentin il en faisait des caisses avec cette série, je lui ai dit un nombre de fois, mais ferme ta gueule, fous-moi la paix là, c'est bon, tu saoules avec ta série. Et en fait, c'est effectivement, quand t'es dedans, non, mais Valentin il a bon goût en série, on a un peu les mêmes goûts avec Valentin, donc je pense que il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. J'avoue quand même, au fond de moi, j'ai un petit peu de hype qui monte quand même, je l'avoue.
Petit plaisir coupable alors. Ouais, voilà, ouais, c'est ça, ouais. Non, moi j'aime beaucoup les environnements froids, tu vois, qu'on va retrouver en Norvège, Danemark. Enfin, après, le souci, c'est qu'on n'a pas vraiment d'informations sur la taille de l'open world pour l'instant. Si, moi j'ai une information. La carte serait plus grande qu'Odyssée. Pas de beaucoup, mais un peu plus grande qu'Odyssée. Alors, le jeu se passe au 9e siècle. On joue Eivor, qui peut être un homme ou une femme. Qui aurait le même prénom et plus ou moins la même tête, juste la barbe en moins. Enfin, à moins que ça soit une femme à barbe. Je m'inscris un peu en faux vis-à-vis de ça parce que je pense qu'après, pour le lore, c'est. Moi, tu vois, j'ai joué Alexios et ça me fait chier que le lore, ça soit Cassandra, tu vois. En fait, au début du jeu, on est en Norvège et on va devoir se rendre en Angleterre pour l'envahir. Donc l'Angleterre, ça sera le cœur du jeu. La motivation des héros, c'est d'atteindre le Valhalla. Donc l'antagoniste principal serait, a priori, on n'est pas sûr encore de ça, mais le trailer laisse à penser de ça, et puis tu montes pas un trailer pour pas montrer le vilain, serait Alfred le Grand, qui règne sur l'Angleterre, et qui arbore quand même des croix qui font penser aux Templiers. À nuancer, ça serait pas un personnage ni tout blanc ni tout noir, peut-être qu'on pourrait avoir de l'empathie pour lui. La nouveauté, c'est qu'on a un village qui est le hub du jeu et qui est fondamental. Et en fait, il faudra améliorer son village, le faire prospérer. C'est toujours de là qu'on va partir pour faire du loot. En parlant du loot, il y aura moins de loot. Il sera plus unique, mais plus customisable et plus améliorable. Et il y aura également des assauts de forteresse, un peu comme on pouvait voir dans Black Flag, me semble-t-il. Le Drakkar, c'est très important. Ça sera un peu l'équivalent du cheval, justement, dans Breath of the Wild ou dans Red Dead Redemption 2. Et en fait, c'est des bateaux qui sont plus petits que les trirèmes qu'on a vus dans les épisodes antiques, par exemple, mais qui se déplacent très rapidement. Pour beaucoup de ces raids, on partirait en escouade de 8, mais nos coéquipiers ne peuvent être contrôlés que par l'IA, il n'y a pas de coop, et les coéquipiers ne peuvent pas mourir. Ils peuvent être mis temporairement, je pense qu'ils ont des jauges de vie, ils peuvent être mis temporairement hors jeu, mais ils ne peuvent pas mourir. Et, donc il n'y a pas de coop, mais plus de partage, de personnalisation, avec une composante RPG qui soit plus accessible. Alors je ne sais pas ce que ça va vouloir dire en termes de ça. Il y a moins de mers, pour une carte donc plus grande qu'Odyssée, mais beaucoup de rivières, et donc les rivières seraient il serait nécessaire d'avoir un Drakkar. On aura une exploration plus libre, et peut-être qu'on aura la disparition du mode assisté des Assassin's Creed précédents, des deux précédents avec les indicateurs sur la carte, pour qu'on ait vraiment, comme dans Red Dead et surtout Breath of the Wild, l'envie d'aller explorer, et il y aurait donc un rythme un peu moins dicté. Et ça fait, j'ai l'impression, des années que j'entends ça. Il y aurait trois villes principales, Londres, Winchester et Yorvitch, mais par contre, donc c'est des villes qui seraient conséquentes, et beaucoup de hameaux en Angleterre. Donc on est en Norvège au début du jeu, et je vous l'ai dit, une map plus grande qu'Odyssée. Il y aura aussi des relations avec les autres personnages, et on pourra... ça, c'est un peu... Sur le papier, ça fait un peu Mass Effect, on pourra améliorer les relations avec certains persos, et ça nous donnera des conclusions ou des storylines qui peuvent varier un petit peu. Alors attention, on nous avait un peu dit ça aussi pour Odyssée, donc à voir si c'est pas gadget pour des quêtes annexes. Pas d'aigle, mais un corbeau, parce que les corbeaux sont liés à la mythologie nordique, à Odin notamment. Combat, retour de la lame secrète, mais on peut avoir deux armes principales, une arme principale à deux mains, une arme et un bouclier, et des arcs et des flèches. Donc ça, on est plus ou moins sur ce qu'on était sur les deux épisodes précédents. J'en profite juste pour t'arrêter deux secondes par rapport au corbeau. Justement, tu disais tout à l'heure qu'on avait remplacé le corbeau, l'aigle par le corbeau. Effectivement, moi, jusqu'à maintenant, j'étais un peu dégoûté par rapport à ça. Mais il faut savoir un truc, dans le lore d'AC, notamment dans les romans, je ne sais plus lesquels, il y a une partie des assassins qui appelle la vision d'aigle, la vision d'Odin. Donc, à mon avis, c'est juste qu'en fait, c'est la vision d'aigle, c'est juste qu'elle porte un nom différent en fonction de la géographie de là où tu te trouves. Je pense. Ouais, après, c'est vrai qu'il y avait ce fil rouge de l'aigle. Tous les prénoms des assassins avaient un lien direct ou indirect avec l'aigle. Donc, arc et flèche. Et donc, un moteur Anvil calibré pour la next-gen. Deal commercial avec Xbox. Et normalement, les prochaines vidéos de gameplay devraient arriver, si tout va bien, la semaine prochaine lors d'un event Xbox. Il y a aussi un autre truc qu'on n'a pas dit. Justement, je complète au niveau des infos. Alors on a parlé un petit peu des armes de customisation, il faut savoir que notre personnage est full customisable aussi. Tu peux changer coiffure, barbe, tatouage, les peintures de guerre, vraiment tu peux le full, le custom, vraiment c'est ton perso quoi, il y a pas de souci. Et au niveau des choix, moi il y a un truc qui m'a interpellé dans le communiqué de presse qu'on a reçu, et je vais vous donner la phrase, vous me dites ce que vous en pensez. Je cite donc, chaque alliance politique
décision de combattre et choix de dialogue aura une influence sur le monde d'Assassin's Creed Valhalla. Alors, ça me fait penser un petit peu à Odyssée, en fait. Déjà, j'ai vraiment l'impression, vu le trailer, qu'on aura le retour des batailles à la Odyssée. Ça, c'est clair et net. Alors, c'était pas trop mal, mais sur la fin, t'en avais un peu marre et c'était un peu répétitif. Et surtout dans Odyssée, il y avait vraiment ce côté qui, à mon sens, était un peu c'était le côté que j'avais moins aimé, qui était un peu brouillon, mal exploité. C'est que en fait, on pouvait s'allier avec une ou l'autre des factions. Il y a même certaines fois où pour prendre certaines forteresses, on était obligé de la prendre et du coup, ça nous faisait contre. En fait, il y avait pas vraiment de choix. On était toujours obligé de switcher d'une faction à l'autre pour. Après, je pense que c'était dans un souci de cohérence historique, peut-être, etc. Et je pense que là, ça va être pareil. Il y aura des endroits qui seront prises par parce que l'Angleterre, à ce moment-là, d'un point de vue historique, est extrêmement morcelée. Donc, il y aura peut-être différentes factions, peut-être même chez les Vikings et chez les Anglais. Franchement, là, le communiqué de presse, tu me dis que ça sort d'Odyssée. Je me dis, bon, ok, c'est le communiqué de presse, et après, ça s'est traduit en jeu par des intentions qui sont pas allées au bout, et c'est un peu ce que je reproche souvent à Assassin's Creed, c'est souvent avoir des intentions, avoir des bonnes idées, pas les exploiter à fond, et puis les laisser tomber, et au final, tu te dis. Bon, ça sert à rien, c'est comme les milliards d'armes que tu récoltes dans Assassin's Creed Odyssey. Au final, à la fin, tu récoltes plus d'armes, tu vas augmenter la tienne et ça revient en même, en fait. Tu vois, que dès que tu as une arme un peu légendaire, tu l'augmentes et. Donc. Ouais, alors moi perso, j'ai interprété autrement le message. Parce que je suis un des premiers à ne pas avoir aimé en fait le système de choix dans le scénario. Et là, je me dis que dans la phrase que je vous ai lue, on parle pas de scénario, hein, on parle du monde qui évolue. Donc j'ai espoir que on n'aura pas de scénario en fait à faire et qu'en fait c'est juste des choix en fait si tu veux qui vont custom ton monde. Mais voilà, et que le scénario vraiment il va se dérouler comme il devrait se dérouler quoi. C'est tout. Ils vont adapter, je pense, le système de RPG parce que c'est vrai que c'est un truc qui a divisé un peu dans Odyssée. Comment ça se fait qu'on n'avait pas la même fin quelle fin est vraiment canonique dans le lore de la franchise. On était un peu perdu par rapport à ça, donc je pense qu'effectivement, ils se sont rendus compte de ça. Ah, mais ça faisait quand même plaisir de. Moi franchement. Alors, évidemment, c'était très implémenté de façon très sommaire et. Rien à voir avec un Mass Effect ou un Detroit pour reprendre des jeux à choix multiples qui font ça très bien. Mais j'étais quand même content de me dire, tiens, j'ai fait mes choix. En plus, à l'inverse de certains jeux où des fois tu fais des choix et tu te dis, mais putain, mais j'ai tout fait par exemple pour avoir cette issue. Et en fait, ça me fait tout l'inverse. Là, j'ai trouvé dans Odyssée que les choix que tu faisais étaient cohérents. Enfin, l'issue que tu avais était cohérente par rapport aux choix que tu faisais. J'étais très content d'avoir les personnes qui étaient à ma table autour de moi parce que je m'étais battu pendant tout le jeu pour avoir ça. Toutefois, encore une fois, comme je l'ai dit, c'était très sommaire. Après, c'est un peu un constat général sur Assassin's Creed, mais j'ai l'impression que c'est devenu une licence un peu fourre-tout qui a clairement perdu son identité originelle. On est très loin du jeu d'infiltration, un peu action, d'enquête, qui était au tout début. Et maintenant, on est vraiment sur de l'action RPG, clairement. Après, là, je pense que pour le coup, ça va être bien exploité. Hein. C'est leur deuxième coup d'essai. Odyssey était un très bon RPG. C'est vrai que les choix étaient souvent... Enfin, en tout cas, la finalité était faite en surface, mais c'était cohérent. Odyssey, c'est un excellent jeu. Je comprends pas qu'il soit autant critiqué. En fait, ce qui fait peur, moi, c'est la taille de la map. Parce que pour moi, Odyssey, c'était déjà une map qui était extrêmement grande. C'est quelque chose que j'espère ne pas voir pour la prochaine génération. Ça sert à rien de faire des maps de plus en plus grandes. Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Moi, c'est vrai que j'ai pas besoin d'avoir des plus grandes maps. J'ai juste besoin, moi, qu'on marcelle moins, en fait, dans mon jeu. Je trouve que dans Odyssey, il y avait trop de forts, il y avait trop de camps, qui avaient tous les mêmes objectifs, et tous les 10 mètres, vraiment sans déconner. Hein, vous pouvez faire le test, vous lancez le jeu, vous promenez à cheval. Tous les 100 mètres, t'as des sangliers qui t'attaquent, t'as des loups qui t'attaquent, t'as rebelote de 100 mètres plus loin, des sangliers. Les mercenaires et compagnie, là. Les mercenaires. En fait, le jeu était beaucoup trop agressif quand tu voulais explorer et prendre ton temps. En tout cas, pour l'instant, je sais pas vraiment si c'est la direction que prend le jeu vu le trailer qui est très bon. Il y a toujours ce. Je pense que c'est pour donner un espèce de rythme au jeu. L'Angleterre est un pays qui est beaucoup plus plat. Vu comme ils mettent de l'importance là-dessus, je pense qu'on aura beaucoup, beaucoup de rivières. Après, Norvège, Suède, Finlande, c'est quand même un peu plus montagneux, forestier. A priori, la Norvège, ça serait que le début du jeu et que vraiment le cœur serait en Angleterre. Moi, je serais quand même vachement dégoûté qu'on puisse pas vraiment être beaucoup en Norvège, tu vois.
Moi, enfin, pour l'instant, hein, de ce que j'ai compris, de ce qui est sorti de mon ami, c'est ça. Hein, c'est que la Norvège, c'est le début du jeu, et qu'ensuite, tu crées ton village en Angleterre et que tout se passe en Angleterre, les raids, tout ça. Ah oui, donc, okay, c'est encore un autre... À voir. C'est encore un autre. D'ailleurs, du coup, cet épisode-là devrait, je pense que c'est le dernier point qu'on va aborder, devrait clore une trilogie mythologique. Si trilogie mythologique il y a, hein, ça tombe dans 3 ans le prochain AC, c'est encore un autre truc mythologique. Qu'est-ce que vous pensez de ça, de cette intégration de la mythologie qui est de plus en plus croissante depuis Origins, qui a atteint quand même une bonne partie du jeu avec Odyssée. Dans le trailer, on a quand même genre 10 000 allusions à la seconde, à la mythologie, présence d'Odin, des corbeaux, il y a des espèces de figurines en capuche, c'est ça avec le corbeau qui fait référence à Odin. Rien que la première partie du trailer, il y a quasiment, enfin c'est un rituel viking, quoi, avec la main ensanglantée sur... sur la tronche, la grande statuette d'Odin. Qu'est-ce que vous pensez de ça, de cette direction que va prendre le prochain Assassin's Creed à inclure encore plus de mythologie qu'Odyssée ? Alors, en fait, moi, j'ai trouvé que c'était plutôt bien foutu comment ils intégraient ça en mélangeant avec le... En fait, en justifiant l'existence de la mythologie par l'ancienne civilisation. J'ai trouvé que d'un point de vue scénaristique, c'était globalement bien foutu pour le lore d'Assassin's Creed, et ça trouve un climax génial avec l'exceptionnel DLC Atlantide. Je pense qu'on sera dans une continuité. J'espère que ça sera un peu mieux expliqué, parce que c'est vrai que autant dans Origins que Odyssey, on n'a pas trop, si on n'a pas de connaissances sur ces mythologies-là, on peut être un petit peu perdu entre les trucs. Je pense évidemment que au même titre qu'Odyssey et qu'Origins, tout ce qui est mythologique sera justifié par l'ancienne civilisation. Enfin, il n'y aurait pas de raison de ne pas le faire. Donc pour moi, ouais, c'est plutôt malin ce qu'ils ont fait, et ça permet pour moi, de garder quand même un lien avec ce qu'on appelle la méta-histoire d'Assassin's Creed, qui, à mon sens, devient de plus en plus compliqué à suivre, parce qu'il y a des morceaux qu'il faut regarder qu'il faut lire sur des bouquins ou dans des BD, donc c'est un peu dommage, ils avaient quelque chose de super bien à la base. Donc si c'est pour garder un lien avec l'ancienne civilisation, avec tout le lore de fond, je suis pour. Alors, pour moi, je pense que, sincèrement que c'est... On s'arrêtera là, dans la mythologie. Je pense que c'est le dernier épisode avec de la mythologie. Franchement, j'aurais aimé être surpris qu'il n'y ait pas Selic. J'aurais aimé peut-être un peu plus d'audace. J'aurais aimé, d'après les informations que j'ai, peut-être que la licence arrive à se renouveler un petit peu plus, mais c'est pas sur un jeu cross-gen que tu fais ça. Bien que Black Flag, qui est un épisode que j'adore, avait réussi à faire quelque chose de profondément différent de tout ce qui s'était fait avant, quitte à s'éloigner un petit peu de l'essence de la série. À voir, comme je suis très puceau de l'univers viking, je connais pas vraiment le truc, donc je suis curieux, mais quand même j'ai l'impression que le trailer donne le ton, on va avoir quelque chose de très orienté action, très bourrin. Et ben de mon côté, très sincèrement, je suis encore très mitigé, je suis au stade où je me dis attendons de voir le gameplay. Parce que c'est compliqué de juger à l'heure actuelle avec ce qu'on a. Avec ce qu'on a, effectivement, à l'heure actuelle, ça fait pas très confrérie. Cependant, je pense que vraiment, Ubi nous aura écouté sur le principe qu'on veut, on veut de la franchise, quoi. Donc voilà, je pense qu'effectivement, par contre, il y a un gros enjeu pour eux à se dire il faut absolument mêler ce côté assassin à l'univers viking. Donc à voir comment ils vont mêler tout ça. Moi, je suis quand même très hypé parce que c'est un univers qui me plaît tout particulièrement. Et puis bah, en attendant, écoutez, moi je vais foncer terminer la saison et demie de Viking qui me reste à terminer, puis voilà, j'attendrai le jeu impatiemment après. Mmh. Pour ma part, je suis très hypé. C'est vrai que moi j'adore l'univers viking, j'adore la mythologie, l'ambiance, les personnages historiques, l'histoire de cette période. Donc il me tarde, pareil, d'en savoir plus du côté gameplay. Maintenant, c'est vrai que j'ai quelques petits doutes. Effectivement, moi je rejoins un peu Yannick sur le fait que... Et toi, Auré, sur le fait que c'est... J'aimerais que ce soit un dénamin des épisodes vraiment orienté mythologie. D'ailleurs, quid des pouvoirs qu'on avait dans Odyssée avec la lampe de Leonidas? Je pense qu'ils ne seront plus, plus d'actualité avec cet épisode-là. On verra bien, de toute façon, on en saura déjà plus. Normalement, si mes informations sont bonnes, la semaine prochaine, il devrait y avoir un... C'est ce qui est prévu, mais comme le dit si bien Julien, les plans changent. Ok, eh ben écoutez, je pense qu'on est bon pour cette petite vidéo débriefing. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça nous a fait très plaisir de t'accueillir, Yannick, parmi nous, comme d'habitude. Merci à vous pour l'invitation. C'est toujours
un moment super sympa. En plus, bon, bah, Valentin, nous, on est amis dans la vraie vie, donc c'est toujours cool. Et Aurélien, bah, ça, je le connais pas beaucoup, mais c'est toujours un vrai plaisir de discuter avec d'autres fans d'Assassin's Creed. Et surtout, ce qui est bien avec votre chaîne, c'est que vous n'êtes pas des fans aveugles, vous défendez pas becs et ongles les jeux, vous avez tous des avis différents, et donc c'est vraiment un plaisir de débattre avec vous. Et j'espère il y aura certainement de futures collaborations entre vous et nous à l'avenir. Voilà, vous êtes toujours le bienvenu sur ma chaîne quand vous le voulez, vous le savez très bien. La porte est toujours ouverte, voilà. Merci à toi, mon petit Yannick. Eh ben écoutez, si la vidéo vous a plu, les amis, on vous invite à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et puis du coup, bah, on vous dit à la prochaine. C'était l'ACE et Yannick Deschers-Players en direct de l'ACE Experience. Prenez soin de vous. Et bye tout le monde. Salut à tous.